Hey, salut les gens, soyez les bienvenus sur GameFun, c'est Aito, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve sur un nouvel épisode de Pure Farming 2018, le let's play qu'on a débuté sur la map Allemagne. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, nous avons bel et bien affaire à la version 1.4 du jeu. Donc tout s'est bien passé, la transition entre la 1.3 et la 1.4 s'est faite sans douleur, aucun bug n'est à signaler, n'est à déplorer. Donc tout se passe bien, on voit que les sacs de la nouvelle culture, qui est l'herbe, sont bien présents, tout est bien fait, donc je suis très heureux d'évoluer à présent sur la version 1.4 qui nous propose moult nouveautés. Alors pour commencer, on va aller peut-être voir l'évolution de notre serre dans laquelle on avait planté des choux, hein, rappelez-vous. Et on va voir un petit peu où on est la croissance de ces plantes. Alors, on est à 92% de croissance, donc ça fait vraiment plaisir. Regardez ça comme c'est bien fait. On a des travées à l'intérieur avec un arrosage automatique en hauteur, c'est vraiment très très bon, tout est automatisé. J'ai dû par contre ramener une nouvelle fois de l'eau dans le water tank et rajouter du fertilisant aussi, car ça consomme pas mal quand même. Mais bon, je pense que au final ça risque d'être assez intéressant à la revente. On verra combien va nous rapporter cette culture en serre avec le chou, et puis la prochaine fois on essaiera peut-être les tomates ou autre chose, on verra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également s'occuper des animaux, on va voir où on en est. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, j'ai volontairement passé une journée, histoire de voir un petit peu l'évolution au niveau des lapins surtout, parce que je sais qu'ils grandissent très vite en une journée. Hop, on va prendre le Landini, toujours avec ce magnifique son de moteur, pour se balader. Hop, je rentre là-dedans, très maniable, hein, ce Landini. Oh, regardez les deux, là. Regardez ces deux, là. Ils s'embêtent pas, ils font un petit barbecue, tranquille, au calme, là, sur la terrasse. En plein soleil, bien joué. Alors que moi, je bosse. Ok, super. Oh, les lapins, regardez. Oh, les lapins, ils sont passés de jeunes lapins à lapins. Excellent. Oh, c'est cool. Est-ce que les trois... Ouais. Et ouais. Ok, génial. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir les vendre certainement. On va voir comment ça va nous rapporter. Alors 25 lapins, je vais en vendre 25. Du coup, ça me rapporte 1000 euros. Ok, sachant qu'à la base, j'avais payé un lapin, un jeune lapin, 20 euros je crois. Oh, on fait une petite plus-value, c'est pas vilain. Ok, superbe. J'ai vendu les lapinos. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, on s'est fait un petit bénef. Par contre, du coup, je vais en racheter peut-être... Allez, j'en rachète 10 par cage à lapin. Hop, là pareil, on va rajouter 10 de plus. Voilà, et ici également. Voilà, ok, on a 46 533 euros. Ça va, c'est plutôt pas mal, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts avec les lapins, donc ça c'est... Ça, c'est la bonne opération, j'ai l'impression. On va aller voir les poussins, voir s'ils ont évolué en poule ou pas. Je pense pas, hein, je pense qu'il leur faut plus qu'une journée pour grandir. Les petits agneaux, où en sont-ils? Toujours au même stade, a priori. Ouais, ils ont pas trop évolué, on ira les voir juste après. Les poussins, ouais, c'est toujours des poussins. Hein. Ok. Je sais pas combien de temps il leur faut, voilà, pour devenir des poules. En tout cas, ça piaille à souhait. Regardez-moi ça. Ils sont trop excellents, je trouve. C'est trop génial. Regardez le petit là qui se... Il fait bande à part, lui. Excellent, excellent, vraiment excellent. Les petits agneaux, on va voir où ils en sont également. Alors, les agneaux sont toujours des agneaux. On a toujours 35. Ok, on va aller les voir un petit peu de plus près. Ok, ils sont plutôt... plutôt jolis, hein. Ils sont en bonne forme, ils ont du fourrage, donc tout se passe bien pour eux. On va les laisser tranquilles pour le moment. Allez, je sors d'ici, on va reprendre le tracteur. Et du coup, on va aller voir notre champ qui a été labouré entre-temps par notre ouvrier. On va voir ce que ça donne, voir s'il n'a pas fait commis d'impair, s'il ne m'a pas oublié une parcelle ou... Peut-être a-t-il saccagé le champ, je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble.
Alors j'adore les petits papillons qui volent au vent et les autres insectes qui ont été rajoutés, c'est vraiment cool. Eh ben écoutez, ça m'a l'air pas trop mal du tout, hein. Ça m'a l'air même vraiment d'être très très bon. Bon bah écoutez, moi je suis satisfait. Ça me paraît vraiment bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir le marchand de machines au centre d'échange et nous allons acheter une herse hein, pour lisser le terrain afin qu'ils soient en mesure d'accueillir les semences. Donc j'avais dit dans l'épisode précédent que je mettrais du colza comme me l'indiquait le jeu. Mais finalement, vu qu'on a l'herbe en nouvelle culture, bah, on va mettre de l'herbe hein, tout simplement pour pouvoir faucher après. Et ça va être assez fun, je trouve. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors au passage, j'ouvre une parenthèse et je tiens à remercier vraiment un viewer qui m'a laissé un commentaire assez judicieux par rapport à la vidéo sur la présentation de l'update 1.4 dans lequel j'avais dit qu'il n'y avait qu'une petite machine de fauchage, une petite tondeuse à disque. Or, il s'avère que j'ai complètement oublié qu'il y avait une faucheuse, une grosse faucheuse dans la rubrique moissonneuse. Et c'est Jericho47 qui me l'a rappelé gentiment. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. C'est une info qui m'est vraiment sortie de l'esprit. Moi, j'étais vraiment bloqué sur le fait d'utiliser le tracteur qu'on avait, qui nous a coûté déjà bonbon. Donc moi, je souhaitais avoir peut-être une tondeuse avant, en plus de la tondeuse latérale, ça aurait été pas mal. Mais bon, merci à toi, et on va acheter donc, je referme la parenthèse bien entendu, on va acheter au niveau culture une herse. Donc nous avons ce modèle-là de chez Hakpil, qui a l'air d'être assez petit. Nous avons celui-là qui est un peu plus grand, c'est la version XL. 6 mètres de largeur, ok. Là, on a 6 mètres aussi. Celle-ci, c'est un semoir. Donc, oui, il m'en faudra aussi un de semoir. Bah, écoutez, on va prendre celle-ci. Hakpil Raelec XL6. Ça me paraît être un bon achat. Il y a 2000 euros de différence. Allez, on prend ça. C'est acheté. On sort du magasin et normalement, voilà. Hop, on va atteler ça au tracteur. On y va, on y va. On va essayer de ne pas se louper pour attacher le... Hop, la herse. Hop, parfait. Ça marche bien. On va se diriger vers le champ. Oh tiens, on va passer par là. Je pourrais prendre peut-être un peu d'essence. Quoique, non. Ça va. J'ai de quoi faire encore. Vraiment très agréable cette petite map là. Pour commencer, je trouve qu'elle est juste parfaite. Et par la suite, au fur et à mesure, on évoluera sur d'autres maps. On prendra l'avion, on essaiera même de rapatrier nos machines agricoles dans les différentes cartes qu'on aura choisi d'aller visiter. Voilà, c'est vraiment nickel. Hein. Plus on a de la chance, il fait beau. Oula, attention. Je crois que j'ai tapé dans un truc. Oui, j'ai emmené un piquet avec moi. Ça permet de vérifier la physique hein, qui est juste impeccable. Il n'y a rien à dire. Ok, donc là, on va se diriger vers le champ. Et on va essayer de voir comment ça se passe. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est agréable, justement, d'utiliser une telle machine? Alors, on va déplier la machine. Regardez ça un peu. Plutôt sympa. Hop, je vais me placer du mieux que je peux afin d'optimiser ma largeur de travail. Et du coup, bah, on va activer la descente de la machine. Voilà. Et on est parti, on va travailler. Hein. Tout simplement, regardez ça un peu. C'est vraiment... Waouh, la texture est belle. On voit vraiment la différence entre le labour et la herse. Hein. Ça fait vraiment... On peut pas se tromper, hein, on voit vraiment où on est passé. Surtout qu'en bas sur la minimap, on peut voir... ça, c'est vraiment une bonne idée qu'ils ont eue, les développeurs, d'indiquer vraiment dans une couleur un peu plus claire la zone qu'on vient de traiter. Ça, j'apprécie vraiment ce genre de repère visuel là qui est très 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 intéressant.
peut pas se tromper. Hop, je vais me placer un peu mieux parce que là je l'ai pris un petit peu trop à l'intérieur. Tac, on se positionne, on descend l'appareil. Merde, voilà. Je suis un petit peu fail sur ce coup-là. On y va. Attention de pas trop dévier. Voilà, voilà. Alors ce qui est amusant, c'est que si je dévie un peu de ma course, j'ai directement les vibrations dans la manette qui s'activent. Regardez là, si je vais un peu comme ça, là je le sens, ça vibre à mort. Ça m'indique vraiment que je suis hors de la zone. Voilà. Alors je vais pas tout faire le champ, hein. Je confierai la tâche à un ouvrier certainement. Je vais faire quelques petites longueurs histoire de m'amuser un petit peu parce que moi j'aime bien. Comme je dis, c'est le style de jeu qui permet vraiment de se détendre. C'est vraiment agréable, hein. On se prend pas la tête, on prend notre temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je trouve que c'est un type de jeu qui est assez complémentaire avec les autres. Et si on accroche, ben c'est vraiment excellent, quoi. Surtout que celui-là, il est particulièrement intéressant sur plusieurs points. Hein. Le fait de pouvoir voyager sur plein de cartes différentes est un vrai plus. Dans une seule partie, on peut visiter plein de pays, on peut s'établir, étendre notre activité agricole à travers le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens sur ce jeu, et qui est très 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 positif, hein, et qui fait son originalité également. Hop, voilà, tac. Hop, parfait, hein, c'est vraiment très joli cette texture, là. On voit vraiment la différence, ça c'est plutôt cool. Hop, je me mets là, je vais faire encore une petite longueur. Parce qu'on se prend au jeu, hein. C'est un peu normal. Et du coup, pour la suite, je donnerai le travail à un ouvrier. Ça va me coûter un petit peu d'argent, mais bon, ça va. On est encore à quasiment 40 000 euros, donc il y a moyen de se faire plaisir avec les ouvriers aussi. Sont hyper efficaces avec cette mise à jour 1.4, je le rappelle. Hop, je remonte l'appareil, impeccable. Tac. Voilà, on va. Tac, je dis oui. Et on va le regarder faire. Il continue comme si de rien n'était, c'est comme si je le faisais. Ça, c'est vraiment excellent, je trouve. On est à 54% au niveau de la herse. Passage de la herse, donc il va finir ça tranquillement. Regardez, il va assez vite, hein. C'est assez cool. Hop, il remonte, il replie. Ah, lui, il fait les choses bien, moi, je replie pas, moi. Il est plus consciencieux que moi, le petit Marcel, Michel, je sais pas comment on l'appelle. Je crois que c'est Marcel qui s'appelle. En tout cas, il se débrouille super bien. Regardez les manœuvres et comme elles sont précises et tout. C'est vraiment excellent. Et la mise à jour, vraiment 1.4, apporte énormément à l'IA. Hein. C'est vraiment excellent. Du coup, on va le laisser terminer sa petite affaire. Et on va retourner en direction du garage. Je vais passer par la serre, histoire de voir si peut-être c'est la croissance a fini. Non, toujours 92%, ok, bon, bah, très bien. Les niveaux d'eau et de fertilisant ne baissent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est en x3, par contre. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être accélérer le temps. Donc pour ça, je vais passer ici sur la tablette, hein, puisque c'est possible de tout gérer depuis la tablette. On va passer le temps, ça c'est nouveau aussi sur la mise à jour 1.4. On peut faire défiler maintenant le temps grâce à ce système-là. Plus besoin
Voilà, de se galérer avec le truc là-bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je peux toujours augmenter le temps ou diminuer le temps avec les commandes. Donc voilà, je peux faire défiler, voilà, x 24, x 60. Donc là, le temps va beaucoup plus vite. Et ça permet vraiment d'avoir l'évolution au niveau des terrains, au niveau de l'élevage également. On va voir pas mal de choses à ce niveau-là. Ça peut être très profitable. Du coup, au niveau des fonctionnalités, donc là, moi, je voudrais quand même. Alors ça, je sais pas du tout comment est-ce que je peux gérer ça à la main. Ah, si, voilà. Plus, on va passer. Allez, on va passer 10 heures. On accepte. Voilà. Ok, nickel. Le temps, je vais le diminuer peut-être un petit peu. Hop. Non, j'ai dit diminuer. On va le remettre en, ouais, en x6, ça sera bien. Du coup, regardez l'arrosage. Ah, ça, c'est excellent. Regardez un petit peu comment ça arrose. C'est tout automatisé. Regardez un petit peu le. Niveau fertilisation, par contre, j'ai une croissance à 36%. Ah, bah voilà! C'est une nouvelle plantation. Oh, c'est génial ça. Donc, c'est vraiment tout automatisé. Et là, on a déjà la première récolte. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ah, excellent. Donc, je vais aller voir mon ouvrier, voir ce qu'il a fait. On va voir le résultat. J'espère qu'il ne s'est pas foiré. Hop. Eh ben écoutez, regardez. Regardez. La nouvelle IA de la version 1.4. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo de présentation. Regardez bien le travail. C'est vraiment excellent. Le tracteur est rangé sur le côté du champ. La herse est complètement dételée et rangée, prête à être nettoyée. Vraiment, c'est du super taf. En tout cas, moi, je trouve. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller nettoyer le matériel. Une fois qu'on a fini de travailler, on nettoie. C'est logique. Bon, la herse, c'est pas très sale. Par contre, le tracteur, lui, il y a un petit peu de boue partout. Donc, on va passer un petit coup de nettoyeur haute pression. Et il sera comme neuf. Hop, on va se mettre en position. Voilà, très bien. Donc je descends, on saisit le laveur. Hop, et on y va. Ça aussi, c'est très plaisant à faire. Hein. Regardez, on voit les salissures qui disparaissent au fur et à mesure. Superbe effet. Voilà. On a nettoyé les deux. Bon, elle n'était pas vraiment sale, donc. Belle modélisation aussi, cette petite hackpile là. 6 mètres quand même. Hein. Belle large de travail. Ok, allez, on reprend le tracteur. Et du coup, on va aller ranger tout ça. Voilà, là je vais. Déposer la herse à côté de la charrue. Tac, nickel. On détache. Et du coup, je pense que il va falloir que je remette un petit peu d'engrais, à mon avis. Car si j'ai bien vu, je pense que ça a pas mal consommé au niveau de l'eau et au niveau du fertilisant. Ouais, 60%. Donc je peux rajouter 4 sacs. L'eau, ça va encore. On est à 80%. Ça se passe bien. Donc on va prendre le pick-off, en rajouter 4 d'engrais, sachant que normalement je devrais en avoir. Ouais, j'ai encore un sac là-dedans. Ok, super. Allez, hop. On y va, on va récupérer de l'engrais. Hop, alors, 2, 3. J'en rajoute 3 supplémentaires. Voilà, j'en ai 4. Parfait. On y va, on va aller charger ça rapidement, mais sûrement. On décharge. Tac, 100% niveau d'eau. Est-ce qu'on se ferait pas le plein aussi du water tank? Allez, à y être, on va finir le taf, on va faire ça proprement.
Zou, on range le pick-up. Je vais reprendre le tracteur. On va atteler la tonne à eau, l'immense tonne à eau de 12 000 litres que j'ai remplie, hein, je pense. Si je me souviens bien, je pense. Attends, qu'est-ce que je fais là? Je pars un peu en live. Je vois pas trop où je vais là. Je suis complètement à côté. Ouais, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Hop, on est plutôt pas mal. Ça devrait le faire. Voilà, hop, j'attache. Citerne d'eau. Hop, j'ai 12 000 litres, elle est pleine, donc c'est parfait. On va aller injecter les 20% manquants, et puis on ira ranger le matériel, et puis je pense qu'on se laissera là pour cet épisode, hein. Ça passe tellement vite. Mais c'est tellement bon aussi. Hop. Et là, je peux décharger. Voilà. Tout est bon. On est parfait au niveau de la serre. Donc on a déjà un premier chargement de choux de prêt. Donc ça, j'irai voir dans l'épisode prochain pour aller vendre tout ça, histoire de voir combien ça va nous rapporter. Et puis ce sera du tout bon, et si c'est rentable, eh ben on fera de la culture intensive en serre, histoire de remonter un petit peu notre compte en banque, qui en a pris un sacré coup depuis le départ. Donc hop, on s'arrête ici, on descend du tracteur, et j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la manip, et jouez bien, portez-vous bien, et à plus tout le monde. Allez, ciao!